Ça va quoi l'équipe? J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bonne rentrée à tous, j'espère que la rentrée s'est bien passée, que vous êtes avec les potes que vous voulez, dans la classe que vous voulez, que vos profs ils sont sympas, ok? Parce que les profs relous, next. Franchement, on n'a pas besoin de vous dans notre vie, on a assez de problèmes comme ça pour que vous continuiez à nous faire chier, en fait, clairement. Donc, un peu de compassion, c'est déjà assez lourd d'aller en cours. Si en plus vous ne nous facilitez pas la tâche, on s'en sort pas. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ça me fait plaisir de faire la rentrée avec vous, avec un nouveau sketch, je kiffe, ça vous fait kiffer, on commence l'année sur de bonnes bases. Le fameux mois de septembre, le mois le plus long de l'année, clairement, septembre, ça passe tellement lentement. Bien sûr, mois de septembre, j'ai décidé de vous faire plaisir aussi, il y aura la bonne du mois avec qui je vais passer la journée, avec qui on va kiffer, ça reste une surprise, je vous dirai pas ce que c'est, vous le découvrirez sur YouTube ou sur mes réseaux sociaux. J'ai pas encore sélectionné la personne, donc pour participer, n'oubliez pas, nom, prénom, ville en commentaire, pour multiplier vos chances, suivez-moi sur Instagram et envoyez-moi un DM, nom, prénom et ville. Bonne chance à tous, franchement j'ai hâte de passer cette journée, parce que c'est que du kiff, que du bonheur. Puis on est ensemble, hein, ça bouge pas l'équipe. La vidéo que j'ai décidé de vous tourner aujourd'hui. Ah oui, le vlog en Turquie, ne vous inquiétez pas, hein, il arrive très bientôt. Normalement la semaine prochaine je vous le poste. Comme vous le savez, Louai, grand garçon, il a grandi, ça y est, c'est plus le petit enfant qu'on a connu dans les anciennes vidéos. Il passe au lycée. Qui dit lycée, dit nouvel environnement. J'ai jamais fait de vidéo sur le lycée, je voulais absolument vous faire une vidéo sur ça. Et surtout je vous dis franchement, il y a des choses à dire. Pour commencer, eux c'est vrai, j'en ai jamais parlé. Les délégués, je sais pas trop à quoi ils servent, mais en tout cas ils sont là. Oh, c'est ouais. Je te passe un billet même si par rapport à la daronne tout ça aussi. T'inquiète, t'inquiète, je te défends. T'inquiète, je te défends. Jure bien. Ouais, je vais bien défendre. Je vais bien défendre. Ouais, non, je pense que tu vas avoir 15 de moyenne toi. Jure. Ouais. Défends-moi bien. Vas-y, je te défends. Vraiment. Vas-y. Et tu dis ouais, il fait des efforts, tout ça. Attends, ça t'attend, je t'attends en bas. Bon, l'équipe, j'ai reçu les relevés. Déjà, Abdelhamana, bon, Abdelhamana, il sera pas là l'année prochaine. Franchement, trop quête, ils ont dit, il fait des bruits d'animaux, ils ont pas capté. Pas souqué. Ouais, franchement, il se croit trop aux os, lui. À un moment donné. Et résultat très faible, apparemment. C'est quoi ton nom de famille déjà? Lago, tout le monde me connaît ici. Sarah Lago, ouais. 8,3 de moyenne. Ah ouais, ils ont dit ensemble très faible. En tout? Ouais, ouais, en tout, ouais. Ensemble très très fragile, passe son temps à se maquiller. Toi, t'es fragile en fait, t'as rien dit. Mais tu veux que je dise quoi? Mais t'es un délégué, tu nous défends. Mais j'essaie de te défendre, ils ont dit c'est mort, elle passe son temps à se maquiller. Carrément, la première fois, elle a entendu Lago, elle a dit it's a joke. Elle est encore ici, elle. Je rigole, je rigole, je rigole. Mais wesh. Lui, ils ont dit quoi sur lui? Louai, 6,95, ensemble très fragile, nettement en baisse. La première fois, elle a carrément t'es dit. T'es pas fragile. Il est présent. Genre la prononce anglais, elle dit que t'as jamais vu. Non, t'as pas moteur. Est-ce que c'est moi le genre là vraiment? Mais oui, c'est Louai et la Mroussi, je suis désolé, c'est ta ligne, Louai et la Mroussi, c'est ta ligne. Ah, 6,95. Donc, ah, 1,90 en maths. J'ai essayé de te défendre, j'ai dit. Non, mais écoute, écoute. Mais participe des fois. Ok, donc toi, quand c'est moi, tu ne défends pas. Quand c'est les filles, tu dis 1,94. Ouais, toi, ouais. Toi, 1,94. C'est une dinguerie. Mais là, t'es vrai. Toujours la tête de ma mère, t'es nul. Frère, t'es une grosse te chemée. Vas-y, y'a rien. Viens, on y va. J'ai essayé. Tes lunettes qui te servent à rien. J'ai essayé, ça le chien. Bah, vas-y, on verra maintenant. Je vais te défendre la prochaine fois. Toi, t'as eu quoi, toi? C'est privé. Ah non, une défense, t'as peur. Il y a des délégués en fait, vous savez rien. Soit vous allez là-bas, vous allez au front, vous êtes là pour nous, vous nous défendez corps et âme. Soit en fait, va jouer aux cartes. Est-ce qu'il y a des délégués qui nous regardent? J'espère cette année vous allez d'aide. Hein. La classe, elle compte sur vous. On en parle de mon t-shirt en l'envers là pendant toute la vidéo. Ficha. Qui dit lycée, dit nouveau délire, nouveau pote. Ça y est, tu rentres dans la cour des grands. Vous savez très bien. Hein. Oui, c'est comment? Ça va ou quoi? Ouais, ça va, putain, il m'a saoulé, prof d'histoire. C'est pour ça, là, je suis obligé de m'en envoyer une. Y'a pas moyen, tu me passes une clope? Je te jure, j'en ai pas. C'est bon, arrête de faire ta crevarde, c'est bon. Celle-là, je t'ai dit, c'est pour ce midi. C'est vraiment que t'en as jamais, mais vas-y. Serre-toi. Il me fait fumer, ce clochard. T'en prends une, hein? Je peux plus me le voir, c'est prof d'histoire. T'en prends une, hein? Ouais, t'inquiète. Je peux plus me le voir. C'est la pause. Je surveille, j'ai pas confiance. C'est le début de la merde. Wesh, ouais, ça dit quoi? Ça va ou quoi? Ah ouais, vous sortez vraiment que pour fumer quoi. Pas du feu? Vous sortez que pour... Ah ouais frère, faut bien qu'on décompresse, tu fumes pas toi? Il est avec ses copines, avec ses lunettes de soleil, là, elle croit à la Punta Cana. J'ai une tête à fumer moi, je fume moi, tu veux ma mère, elle m'attrape. Elle me casse ma bouche. Ouais, c'est bon wesh, ça y est, on est grand frère, ta mère va venir, elle va te faire quoi? Mais aussi on a des parents, je crois, j'ai pas de mère ou quoi? On dirait qu'il a 40 ans, il est à l'école. Ils ont même pas 18 ans, ils fument, je suis choqué. Je suis choqué, je l'ai perdu. Je massacre. Eh, on a tous des darons ici. On a redoublé 15 fois. Eh, on a tous des darons et on fume, frère. Je crois que t'es un bonhomme là. C'est bon, vas-y, donne-lui tout. La femme t'a clope. Moi, je veux pas la tête, je veux pas. C'est bon, frère, on est grand, t'es un grand, frère. Un grand, t'es pas un grand. Vas-y, lâche-moi là. Allez, fume. Je sais même pas allumer, frère. Vas-y, envoie du feu. Je crois pas mes yeux. C'est bon, frère, t'es un bonhomme, frère. Ah, t'es un bonhomme, frère. Wesh. Ouais, ton briquet est bizarre, frère. Ah, je suis choqué.
l'a accepté. Oh, je suis choquée. Oh putain, y'a ma mère. Je suis choquée. Je cours, va envoyer le laisser, frère. C'est qui? Wouah, elle a apparu comment, Jean? Je suis choquée. Je dois y être, bon, vas-y. Tu filmes, toi, tu vas au lycée pour fumer. Aujourd'hui t'es mort, allez on se casse. Comment j'arrête de fumer? Madame, il a cours. Dans ta gueule, tu l'as influencé, toi, ça prend. Oh, elle t'a ouais. Il sèche aujourd'hui, y'a pas d'école. Tu fumes. Allez, dégage. On vous a déjà dit. Fumez, tu ne fumez pas. Ça sert à rien, vous allez vous faire cramer. Vos darons vont vous voir, ça va les dégoûter, ça va les saouler. Ne fumez pas, fumez, tu. En plus, c'est pas bon pour la santé. Tu pues de la gueule, ça vous détériore les dents. Vous allez avoir les dents toutes noires, toutes kex. Laissez ça de côté. Les redoublants là, force à vous. On n'est pas ensemble. Y'a votre nouveau camarade là qui va arriver. Calmez-vous, s'il vous plaît. Comment elle va? Louis. Allez, tu rentres, s'il te plaît. Oh, fais pas le chimie, s'il te plaît. Ça fait des années que t'es ici. Tu la connais, cette classe, je pense. Ouais, du coup, je vais vous présenter votre nouveau camarade. Trop beau. Je fais pas d'elle. Tu connais? Tu connais? Ouais, ça t'était juste. Tu peux aller m'installer? Bah, présente-toi d'abord. Ouais, je m'appelle Fad et c'est tout. Voilà, lui, c'est le major de la classe. Alors, ça fait quel âge, là? 26. T'es plus grand que moi, tu le sais. Allez, on se motive. Installe-toi. Cette année, c'est le bac. Tu persévères comme d'habitude. Ça fait 4 fois que tu passes, là, ça va être la bonne, j'espère. Et du coup, mon gars, c'est comment, t'as quel âge? J'ai 27, chacun, je l'ai dit tout à l'heure. Bah, je sais pas, j'étais pas trop concentré, t'as vu? Ouais, t'es un bon. Tu sais que là, t'es avec des gens, ils ont 17 ans, 10 ans de moins quand même. Ouais, je sais, ouais, t'es un bon. Ah, tu repasses le bac là, 4 fois. Ouais, t'es bon. Il y a quoi là, tu fais le mec mystérieux là, tu fais le bête là. Ferme ta gueule. Oh, je t'ai sort. Vous pensez, Louis, il a eu mal. Oh, mais ça va pas. Tu veux que je te tape toi aussi? Y'a rien. Madame, on va reprendre le cours. Moi, je vais vous gifler, hein. Ah, mon gars, tu veux gazer avec des grands dadés, des grands redoublants. Frère, ils vont te rentrer dedans. Hein. Moi, je me rappelle, j'étais en primaire, il y avait des redoublants. J'étais choqué. J'étais en CE2, ils avaient des corps de 18 ans. J'étais impressionné. Force à vous, les redoublants, hein. Vous inquiétez pas, cette année, c'est la vôtre. Alors, ça, c'est vraiment les profs trop déter. Genre, super investis. Alors, au programme cette année, nous avons la guerre d'Algérie. Ouais, oui, pour l'occasion. Louais, pour l'occasion, je vous ai du coup fait l'honneur d'inviter une rescapée, la mère de Louais. Bonjour, ça va? Enchanté, hein, tout le monde. Voilà, je suis la rescapée. Pour vous dire la vérité, ils nous ont fait du sale. T'as vu les savants, les vivants. Voilà. Des questions? C'est tout? Oui, c'est tout. Y'a quoi? Biographie? Tu veux que je fais la biographie ici? Je vais raconter ma vie ici. Non, c'était juste coucou, c'est tout. Hein. Mais un peu plus de... Expliquez-nous un peu, comment... C'est madame, voilà. Comment vous l'avez vu? C'est du fusil sensible. C'est bon? Louis, quand tu termines, tu m'appelles, hein? Ouais. Madame, excusez-moi, j'ai une question. Attends, lui, il veut me poser une question. Oui, je t'écoute. Vous êtes une poilue de la seconde guerre mondiale? Ah, je suis choqué, manque de respect. Moi, je suis un poilu, hein. Eh, je viens, je te boxe ta race, tu vas voir. Je te boxe ta race, face to face. Viens, Stan, non, viens. C'est mort, je crois. Clochard, je t'attends à la sortie. Mais c'est quoi ce cannibale là? Jusqu'à ça ramène une intervenante et tout, rescapé de la guerre d'Algérie. C'est vrai qu'il y a des profs qui ramènent vraiment des gens, des spécialistes. Par contre, c'est grave intéressant. Mais faut doser en fait. Alors, ça, par contre, c'est vrai que ça peut être choquant quand tu passes de la troisième à la seconde. Nathanaël. Ah. Tu vas arrêter de jouer au chat là. Tu n'es pas un chat, Nathanaël. Nathanaël, arrête-moi avec ces jeux là, Nathanaël. Décale de la télé, je vois pas. Laisse-moi quelques secondes, je vais t'expliquer. Qu'est-ce qui se passe, Nathanaël, à l'école? Tu passes d'un 15 de moyenne en 3ème à un 8 en seconde générale. Nathanaël, qu'est-ce qui se passe? Mais tu comprends pas, j'ai plus la techno, j'ai plus le sport, j'ai plus l'art plastique, j'ai plus la musique, tu veux que je fasse quoi? Mais merde, Nathanaël, t'as plus ces matières. Faire quoi? Concentre-toi sur les maths, sur le français, sur l'histoire géo. Mais tu sais très bien que je suis nul. Décale, je vais jouer à mon jeu du chat. Ça va pas se passer comme ça, Nathanaël. Tu me manques pas de respect, Nathanaël. Oh, ta gueule. Nathanaël, ta gueule. Nathanaël, casse-toi. Nathanaël, tu m'as fait mal au genou. Nathanaël, j'en veux plus. Ah ouais, wesh, la daronne à Nathanaël, elle était pas prête. T'imagines, tu passes de 15 à 8. Mais c'est normal en fait. T'as plus musique, t'as plus techno, t'as plus sport. T'enlèves tout ça là. Il reste que les matières sur lesquelles tu dois travailler. C'est en seconde, on va voir votre vrai niveau. Alors ça, franchement, les surveillants trop investis. Je peux pas. Calme, c'est pas l'école à ton daron. Quelle idée de prendre des claques. Vite. Monsieur. Où arrive? Ouvre la porte.
excuse-moi. Je suis désolé, on est en retard. Ah, tu sais, gros mini, encore troisième retard de cette semaine. Si la tête doit me laisser passer, il y a ma daronne est maintenant, ma gueule. La elle est là-bas, elle va nous tuer. Les gars, ça commence à 9h. Il est 9h27. Vous avez cru que l'école c'était. 9h, mais la tête doit me laisser. Non, l'ascenseur il est bloqué. L'ascenseur il s'est bloqué. Il s'est bloqué, on était dedans, tu connais. Même le bus après, vas-y. Ah, hier c'était le tramway, aujourd'hui c'est le bus. Demain c'est quoi? C'est le cheval? C'est quoi? Vas-y, rentrez chez moi, rentrez, là, vas-y, quitte. Bonsoir. C'est Rabia du quartier. Tu es en retard? Viens faire l'école buissonnière. Pourquoi elle sort des buissons, elle? Elle va manger du caca, là, on n'a pas le temps. T'inquiète. On va manger du caca. Il a l'air énervé, il veut pas faire l'école buissonnière. C'est pas grave, je retourne à mes buissons. C'est ta voix, la buisson. Elle fout l'aime parce. On est là, on est dans la merde, s'il te plaît, fais pas le gamin. Putain, les gens ils rentrent même pas encore, frère. Frérot, c'est fini l'école. Vas-y, rentrez chez vous, c'est bon, à demain. Ciao, au revoir. Merci. Laisse-moi rentrer, frère. En retard, hein. Mais attends, la daronne, elle nous regarde là-bas, elle va nous wet. Pas compris. La daronne est vous, c'est là-bas, en retard, les deux, elle est là. Allez-y. C'est pas mon souci. Aujourd'hui, vous êtes morts. Je vais boxer toute la journée. Trop le seum. Tout ça, c'est ta faute. Mais lui, c'est une chimette, hein. Il croit trop, c'est lissé à son père. Non, vous rentrez pas, vous rentrez pas. Il nous fait le voyou, il croit que j'ai un raté, frère. Fou la haine, lui. Gros dégradé au cutter, là. Fou la haine. T'es mal, la daronne, elle nous attend là-bas. Tout ça, c'est ta faute. Mais dalle. Mais maman, c'est pas de notre faute. Vas-y, viens. Attends. C'est bon. Calme-toi, on arrive. T'es mort. Bismillah. Wesh, c'est rien, tu me fais rentrer, je vais en cours. Tranquille, y'a rien. Ça arrive une fois de temps en temps, c'est pas grave. Comme ça. T'es le seul. Toi t'es là, tu t'es speedé, t'es en sueur. Et après ça te recale. Moi les survivants comme ça, je les aime pas en fait. Trop investi. Pour les terminales, vous savez ce qui vous attend à la fin de l'année? Je vais pas trop parler. Écoute, c'est les résultats du bac. J'ai fait des doigts comme ça, tu l'as. Si tu reviens, ça veut dire que je suis là pas. Si tu restes dehors, ça veut dire que t'es parti faire la fête. Viens là, vas-y, mets Hachimli, je vais avec ton père. Je reviens pas avant demain. Vas-y. J'espère que t'as travaillé, j'espère que t'as le bac. Hein. Vas-y à toutes. Et le camp de madame bas, dans ton bel, t'inquiète pas. La chance elle est avec nous. Et le camp, j'espère. Les fonds de mon cœur, t'as les bacs. J'aurai le bac. Voilà. Les fournitures scolaires et les cours personnalisés, c'est de l'argent. Ok, c'est bon. J'ai investi pour toi. J'ai compris le discours. J'espère que t'as le baccalauréat. Ouais. Allez, je viens avec toi. Non, je reste là. C'est moi. Non, je viens avec toi. Tu restes là, tu restes là. Je suis stressé. C'est moi, je regarde, je te dis après. Yalla, vas-y. Je suis stressé. Ça fait quoi? Ça fait 10 minutes, il est pas revenu. Normalement, c'est bon, normalement, il l'a. Oh, ils m'ont feinté. Roué. Oh lolo. Mais non, c'est roué, ça. Roué, oh putain. J'ai pas le bac, la tête de homme. Il est là. Comment je vais lui dire? Roué. Elle. Oh. Alors, félicitations. Félicitations, oui. Mais ils se sont trompés. Il y a écrit roué. C'est moi, c'est loué. L-O-U-A-I. Roué. Roué. Ils se sont trompés. C'est une faute de frappe. Roué Maïssa. Non. Ton nom de famille c'est Maïssa? Non. Nelkel, t'as bas les bacs. C'est pas une erreur. C'est toi l'erreur. Je rentre dans la maison. Ton mère elle va s'occuper de toi. Je suis choqué. Zéro pointé. T'es nul. T'es du nul. Je suis choqué, il a pas les bacs. L'échec de la famille. Je vais faire écraser, c'est mieux. Rien de la serviette. C'est bien comme des baguettes. Que des capcas pourris dans le cerveau. Il a pas un chuchot. Ton cerveau sanglanté. Tu veux pas rendre ton baba vierge? Y'a Nelkel. Je suis choqué. Il est tombé dans le coma. Voilà, ton fils, les bourricots de la tête. Ah voilà, je vais me cacher. Ah, je suis choqué, je quitte cette baraque, je quitte tout, j'en ai marre. Ah mon gars, si t'as pas ton bac là cette année, faut travailler là. C'est maintenant que vous commencez à faire vos fiches de révision. C'est pas quand vous arrivez en mai, après vous commencez à dire oh putain, j'ai 50 chapitres à apprendre. Là t'es die. Et puis voilà l'équipe, hein, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, je pense qu'on a fait le tour. Je voudrais juste faire passer un petit message à tous les élèves, que ce soit primaire, collège, lycée. Soyez bienveillants envers les uns et les autres. Avec ce qui se passe aujourd'hui avec internet, l'harcèlement et tout, franchement c'est vraiment pas cool. Maintenant ça prend des proportions énormes, les gens ils sont trop méchants. Donc s'il vous plaît, soyez bienveillants. Quand vous voyez quelqu'un qui est tout seul, essayez d'aller vers lui, essayez de le conseiller, essayez de pas le laisser à l'écart. Ayez confiance en vous, ne vous laissez pas faire. Vraiment soyez bienveillants, c'est important. Parce que y a des gens qui se font harceler, il y a des gens qui se font critiquer pour leur poids, pour la manière dont ils sont, dont ils s'habillent. Franchement c'est dégueulasse, ça se fait pas en fait. Mais vraiment il y a des gens qui souffrent quand ils rentrent chez eux, ils sont pas bien. Ils vont pas forcément vous le dire, ils vont pas forcément le montrer en cours. Mais quand ils vont rentrer chez eux, ils vont être en dépression. Vraiment c'est pas le but. Et puis bon courage à tous pour cette année. J'espère en tout cas que ça va bien se passer pour vous, même ceux qui sont à la fac et tout. J'espère que vous allez dead, que vous allez avoir des bêtes de notes. En tout cas donnez le maximum et vous allez voir ça va payer. Merci en tout cas à tous ceux qui ont regardé la vidéo. N'oubliez pas de participer pour être l'abonné du mois. Je vous dis à bientôt, hein. Je vous kiffe. N'oubliez pas de liker, commenter, partager la vidéo et bien sûr de vous abonner. Merci l'équipe, je vous kiffe. Bisous l'équipe. Ciao. Dans ta gueule. Oh. Sois pas timide, t'es plus grand ici. Alors. On s'est discipline direct. Nec la vie. Nec la scène. La scène, nec. Ah.